Pour cette activité, nous avons besoin d'une feuille avec des trous et d'une chenille. Notre chenille est un ruban multicolore, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Un lacet, de la ficelle épaisse, du cure-pipe. Bien, nous allons faire un nœud à une extrémité. Voilà. Et je prends l'autre côté avec ma petite pince. Je pince le ruban et la petite chenille passe dans les trous. Par derrière, par dessous, je l'attrape avec ma pince et je monte. Et ensuite, avec ma petite pince, je descends. Par dessus, je vais dans le trou. Je l'enfonce, je l'attrape derrière, dessous, et attention, je descends. Bien, maintenant, je reprends ma petite pince, la pointe, je passe dans le trou, par dessous ou par derrière. Dès que j'arrive, je l'attrape par dessus. Je monte. La petite pince, je la mets par-dessus, dans le trou. Je l'attrape par-dessous. Et je descends. Oh ! Si c'est pas joli, je peux tourner le lacet ou le ruban pour que ça me plaise plus. Et je prends le trou suivant. Vous vous rappelez ? On l'avait fait avec les vêtements et les dessins de vêtements et Claudia était une championne. Elle le faisait très bien. Mais je crois que tout le monde peut y arriver. J'attrape, je monte. Et je peux faire comme ça tout le tour de la feuille. Au revoir.